coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon ben moi du coup, encore changement de programme, je suis dégoûtée. Je devais ben monter à Cavalaire pour nettoyer le mobilhome, mais il fait un temps pourri. Il y a du vent, il fait froid, à Marseille c'est pareil. Donc du coup, ben voilà, je peux pas monter, je pense que j'irai ben, la semaine prochaine avec Essie. Bon maintenant elle est grande, hein. Elle est grande et elle est sage, donc elle me laissera faire le ménage. Mais c'est vrai que je voulais tout préparer avant de monter avec elle. Bon, en tout cas, j'espère que la semaine prochaine, il fera beau. Parce que là, c'est chiant ce temps. Deux jours, tchao, tchao, t-shirt. Et là, aujourd'hui, c'est le pôle Nord. Donc voilà, du coup, pas de cavalière, je suis deg. Du coup, les filles, je vais vous reparler de la chantilly de Kea Shop. Donc la marque Kea. Donc c'est cette chantilly que j'utilise une fois par semaine. J'avais eu pas mal de questions à ce niveau-là. Donc c'est un vrai soin profond. Vous avez quatre chantilly. Moi j'ai choisi la coco. Mais vous avez ricin, figue et soie. Donc ça dépend de votre problématique capillaire. Vous choisissez en fonction de vos cheveux. Moi j'ai choisi celle-ci. Donc je vous montre. Hein, ça fait vraiment comme une chantilly. L'odeur elle est canon. Et c'est un vrai soin profond naturel. Le faire une fois par semaine ça suffit largement. Regardez, le pot est quand même assez gros, donc vous en avez pour un long moment. Et généralement, moi, je le laisse poser toute la nuit ou toute la journée. Là, je vais me l'appliquer le temps de mon ménage. Donc, je vais le laisser poser 2-3 heures. Et après, je rince mes cheveux. Donc, de base, les filles, moi, je connaissais pas du tout les chantilly. J'en avais entendu parler, mais j'avais jamais testé. Et Kea m'a proposé donc une collaboration que j'ai acceptée. J'ai testé. Donc, regardez, c'est hyper facile à mettre. J'ai testé et j'ai validé. Franchement, je ne m'en passe plus. Vraiment, une fois par semaine, c'est le top. Vous allez voir les cheveux que vous allez avoir, le résultat est immédiat. C'est génial. Surtout que moi, comme je vous disais, j'avais coupé mes cheveux carrés pour lever ben, tout ce qui était abîmé. Bon, j'ai quand même pour but encore de les laisser pousser. Hein. Mais il faut utiliser des bons soins, des bons shampoings et faire comme ça des soins profonds. Quoi. C'est important. Surtout que là, les beaux jours arrivent, le soleil, etc. Ça va un petit peu les fragiliser. Mais franchement, ça, c'est le top. C'est de la bombe, je m'en passe. Donc, je vous disais, généralement, je l'applique la nuit. Mais bon, là, je vais le faire maintenant vu que je suis à la maison. Je vais l'appliquer 2-3 heures, le temps de faire mon ménage. Voilà. C'est, et puis, ça sent super bon, quoi. Là, je vais laisser poser. Je vous montrerai le résultat après, hein, quand je les sèche. Ils ont sorti d'ailleurs aussi un nouveau sérum. Je vais vous mettre la vidéo. J'ai hâte de le recevoir. Apparemment, il est canon. Canon. Il est canon. Anaïs, quand même. Il est canon. Il est en ligne déjà sur le site. Donc, moi, je dois le recevoir. Mais apparemment, c'est une dinguerie. Et vous avez toujours moins 50% avec mon code promo Anaïs50. Donc testez les filles franchement. Et faites-moi vos retours comme d'hab. Voilà. Et puis ça pose là. Ça sent trop bon. Voici la nouveauté de la marque Kea et on vous en parle tout de suite. On se retrouve pour vous présenter la nouveauté. Donc il s'agit du cristal magique. Ben, façonner on va dire ce produit qui est à base de cristaux de menthe. Qui est un très joli produit. Qui va venir être un sérum antipelliculaire qu'on va appliquer sur le cuir chevelu. Pour la composition, on est sur des algues marines, du bambou, des cristaux de menthe, voilà, qui viennent vous débarrasser des pellicules. Donc la menthe a une vraie action antipelliculaire. J'ai reçu ma commande Zara. Donc je me suis pris cette petite robe bustier très simple. Avec une paire de baskets. Je ne sais pas s'il y a le prix sur les étiquettes. Non, mais je crois qu'elle coûte dans les même pas 20 euros. Hein. Un truc comme ça. Cette combinaison ouverte un petit peu sur le côté, comme ça. Combinaison noire, vous voyez là. Bon, un petit haut. Celui-ci, j'aime beaucoup la coupe pour mettre avec une jupe longue kaki ou en jean. Ça, c'est le t-shirt pour Kessie. Vous savez, quand je lui mets avec des baskets, je lui prends toujours ou 6-7 ans ou 8-9 ans, ça dépend. Vu que là, elle a grandi, je vais tester le 8-9 ans. Voilà, comme ça. Ça lui fait des t-shirts robes. Et moi, je me suis prise sans pyjama chez les enfants. C'est quelle taille d'ailleurs que j'ai pris? Ouais, 13-14 ans. Mais regardez, 13-14 ans, jusqu'à 1m64. Donc, ça me va. Voilà ma petite commande.